Un nommé Geneviève. On va montagne de vision. Il va bédé la chaque fin du mois bébé d'or. Donc au fin de combat générationnel. Nous pouvons nous nous pouvons nous Je suis Joseph Lamboni. J'ai quitté le Burkina pour rejoindre le Bénin. Je suis invité par l'Éternel par le biais de son serviteur, l'apôtre Hervé Boka, sur un thème qui portait sur le combat générationnel. Je suis venu pour comprendre d'abord le sens du combat générationnel. Parce qu'on se demandait pourquoi je suis en Christ et j'ai accepté Christ. Je suis passé par l'eau, mais je suis toujours combattu. Je ne comprenais pas. Quand ce thème a été lancé, je suis arrivé et j'ai compris le fond. Pourquoi aujourd'hui nous avons passé par l'eau et que nous souffrons. Parce que le thème nous a expliqué ce que c'est que le combat générationnel. Parce que nos ancêtres, nos aïeux, ont eu à fonder des choses quand nous, on n'était pas encore nés. Et aujourd'hui, nous avons bien accepté Christ, mais nous continuons par souffrir. Et pour quand je suis venu, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand nous acceptons Christ, il faut bâtir l'autel. Bâtir l'autel, c'est de donner un sacrifice à Dieu qui représente ou qui renverse ce que nos parents, nos ancêtres avaient fait. Et pour cela, je vais dire que nous nous exprimons aujourd'hui très heureux et très contents parce que nous avons compris et nous invitons. Et il y aura un prochain rencontre qui débutera fin août le 30 au 2 septembre. Nous invitons toute personne de venir et participer parce qu'il y a beaucoup à gagner. Il n'y a rien à perdre, rien qu'à gagner. Merci. Shalom, shalom, shalom. Quando bene ma ba va core pepe ma da pe na Yehova de ya de motor siare amekene lu montant de vision ma da pe na maure e po agbeta klo fam ya bagbeta agbe ba to di ke mi va o nu gere le mi bagbe mo o fian ku de didi mo cho didi mo ba pa yo ke mi to gbe o ple dari na mi ba do mo mi ala mo pa o de mo ke ke mo na mi aye mi abo chromosome mo mi abo code génétique mo ke ke o ho ka tutu gba ta mo ji o ma ta pe na ma de egbe a po to di ta lo ta a pe na du pa kata e mo trop pe mo si amo le mois prochain ke gbo no bo no vi yo cha va po go mo le mo ala bana m sham le je fia to le je gato le te pe ya de yesu christo na so ta la kon kom am OK ya oyonambe on a Kofi Ephraim concernant le programme de montagne de vision au fin nous nous pourrait combat générationnel ici le que nio mba plao mo mia to gro odare ba funa mi kaka va va na mio mia ci fian mi prensi le que o tel ko o crei dare o tel ko o formi dare e ba contra ba le ko le mio mia ba gbe mi kaka va na e gbe a o fian mi prensi ne la no possible ne pa me sian e be ne pa ne ba se o te fian be o la pa to continuer le mois prochain pa to continuer donc to mo ba me ne ve na le pa me sian e be na va na mia shrom de julo Bien aimé dans le Seigneur, nous remercions l'Éternel pour la vie de l'homme de Dieu et nommé l'apôtre Kofi.
Lucas, Hervé, Coco. Nous sommes ici à la montagne de Vision qui est à Atinime. Atinime, c'est où? C'est à Kévé, arrivé à Kévé. Demandez que vous allez à Atinime, là où on élève les poules. Et vous avez entendu les témoignages. Et nous avons fait un programme de 3 jours qui a commencé depuis le mercredi. Et le thème de notre programme est intitulé « Le combat générationnel ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons des moments difficiles, nous traversons dans des combats que nous ne comprenons pas. C'est des combats générationnels. Dieu a passé par l'homme de Dieu et il nous a expliqué ce que c'est qu'un combat générationnel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de connaître nos origines, nous avons besoin de connaître les causes de nos problèmes. Et c'est ça qui est le combat que nous menons. Et gloire à Dieu, dans ces 3 jours de programme, l'Éternel a œuvré. L'Éternel était au programme. Les gens sont délivrés. Notre âme a été délivrée. Les gens ont reçu leurs biens. Tout ce qui était caché dans la vie des hommes a été révélé. Donc nous remercions l'Éternel pour la vie de son nom de Dieu. Donc ce programme se poursuit dans le mois prochain. Et nous vous faisons appel quand le moment va arriver. Viens et comme ça tu vas connaître l'origine de tes problèmes. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous avons entendu le Christ nous-mêmes. Il a fait la mienne. 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 Il a montagne de vision. Il a fait la mienne. 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 Amen.